cœur dès que j'ai retrouvé. C'est ma boubou. Comment ça va, ma fille? Oh là là, ces petits chiens-là. Ça va, boubou? Oh, mon foufou. Allez, ça prend direct un jouet. C'est que tout va bien. Coucou, Nayou. Qu'est-ce que tu fais dans la valise de maman? Mon fille, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que ça veut dire qu'elle ne veut pas que je reparte ou qu'elle veut partir avec moi en voyage? Je sais pas. Bibi m'a préparé des hot dogs. On va voir s'ils sont aussi bons qu'à Central Park. Non, en vrai, à Central Park, ils étaient dégueux. Ah ouais? Oui. Pardonnez ma tête, je suis clairement en décalage horaire, en jet lag, comme dirait l'autre. Bon, ça manque de cuisson sur le pain, hein. Mais ça va. On sort avec Bibi, on se fait un petit resto en amoureux. Et alors il fait hyper chaud à Montpellier. Ça change de New York. Regardez-moi ça. J'ai refait mes ongles. Enfin, j'ai fait faire mes ongles, c'est pas moi qui les ai fait. À votre avis, au vu des ongles, où est-ce que je peux bien aller d'ici quelques jours? Quelle destination? À peine rentré en France, regardez ce que je retrouve. Parce que bon, aux US, comment vous dire? Le thé glacé, c'est pas trop ça, hein. C'est pas leur point fort, c'est plus le coca, mais alors moi je suis pas du tout team coca. Franchement, j'ai kiffé la vibe de New York, mais vous savez pas à quel point. Je me suis même posé la question si un jour j'allais vivre là-bas. C'est grave, pourtant j'adore le chaud, j'adore quand il fait chaud, et là c'était pas du tout le cas, mais j'ai adoré. D'ailleurs, bon, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais par rapport à l'auto-bronzant, vous savez, j'avais eu des traces et tout. Oui, j'ai réussi à le faire partir. Et en ce moment, je suis en train de tester un auto-bronzant de folie. Vraiment, je suis trop contente. Du coup, je vous en reparle bientôt dans ma prochaine vidéo, en fait, qui va sortir. Mais j'adore.